Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. C'est unique. Oui. Chaque lever et coucher de soleil est particulier, unique. Ici, quelque chose ici d'unique, ben, chaque rivière a son histoire. La Saint-François, on sait que Joseph Bouchette avait dit que c'était une rivière, un cours d'eau pratiquement pas navigable. Il avait raison parce qu'elle est très sournoise. Quand elle est à haut niveau, là, essayez pas de remonter ça. Comme on peut voir le travail de l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? On va me reculer un petit peu, là. Des espèces de vallons. Quand j'étais jeune, je venais ici. Oui. Et je suis encore jeune, faut dire. J'ai toujours apprécié de venir ici. Tiens, en voilà un vallon. Une espèce de creuset. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune? Tiens, il est sur le bord de l'eau, là. Je me mettais dans le creuset. Tiens. Puis je venais me reposer ici, comme ça. Tiens. On est chez nous, hein? C'est vraiment chez nous! Je quitterai jamais ça. Merci. Yeah. Eh oui. Oh. Je trouve ça beau. Il y a rien de mieux. Mais je m'ennuie des personnes que j'ai aimées qui sont disparues. Imaginez-vous la force du courant, le débit. L'eau est pas impressionnante, mais quand même, il doit passer à peu près 5 à 6 000 litres d'eau à seconde, juste dans cette partie-là, là. C'est la rivière Saint-François. C'est les rapides de Brompton. Oui. Il y a vraiment rien de mieux, là, parce que c'est chez nous. Je suis tout seul ici. Ouais. Ben, seul. Au canon. T'es belle, toi! T'es belle comme la rivière!